Bonjour! Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va? Eh ben voilà, bonne Alors, journée alors du coup, à la let's prochaine! ignite. Remember it. Allez, pseudo, c'est parti! Moi, c'est Chumli. Ok, ça marche. Chumli, pourquoi Chumli? En vrai, c'était un... Ah! Attends, mais j'ai pas compris, ça a coupé le micro? What? Ah, je disais, c'est un vieux prénom comme ça qui me faisait marrer. Et j'ai mis ça, mais c'est vieux, ça fait il y a longtemps. Du coup, j'ai gardé, puis voilà. Ok. T'es pas très à l'aise ou quoi? Ouais, un peu stressé, normal, c'est la première fois, mais ça va. Mais qu'est-ce qui stresse? Est-ce qui stresse le stream un peu? Mais pourquoi? On s'en fout. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on en a branlé? C'est des trous du cul, de toute façon. Ils sont sur internet, donc ils jugent comme tout le monde. Du coup, prénom. En avant. Dorian. Et t'as lu le livre? Le livre. T'as pas vu le portrait de Dorian Gray? Ouais, c'est ça, le portrait de Dorian Gray. On m'en a parlé en cours, mais c'est vrai que je l'ai jamais lu. Ok, Dorian, du coup. Mais tes parents ont dû le voir pour lire, non? Dorian, pourquoi? Je crois que c'est ma mère. Je sais pas pourquoi. Ça, elle devait trouver ça joli, hein, je pense. Non, moi j'aime bien me dire, ça se trouve, il y a une histoire derrière ça. Ça se trouve, un jour, elle est arrivée en France, elle parlait pas très bien français, et elle pensait que tous les Français disaient merci, Dorian. Mal, âge du coup. J'ai 26 ans. T'as quoi en souris maintenant? On va parler de jeux vidéo. T'as SG502? Ouais, c'est ça. C'est pas la meilleure. C'est la meilleure des games casual pour commencer. C'est pas ouf la SG502. Ouais, bah c'est à peu près ça parce que moi j'ai commencé le PC il y a un an. Donc j'ai commencé avec les premiers équipements, tu vois. Oui, bah pour commencer, elle est bien quoi. Mais bon, ouais. si t'avais en face de toi un mec en coutellerie comme il y en avait un dans le chat tout à l'heure, là c'est comme si tu me disais mon couteau c'est un couteau suisse quoi. Tu vois, je vais te dire, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Clavier, t'as quoi? Alors, je joue sur PC portable, moi. Oh my god! Ok, mais t'as mis un clavier à côté? Non, pas du tout. Je joue sur le clavier du PC. Ok, ok. Bon, bah, tu sais ce que tu dois acheter à Noël, du coup, si t'as envie de level up. Hein. Écran en Hertz, du coup, ça doit pas être... Non, je pense pas que ce soit terrible, ça doit être du 60 ou... Je sais pas exactement. Niveau performance, on n'y est pas, hein, c'est pas... Ah non, ça, on n'y est pas du tout là. Tapis de souris du coup, t'as pris quoi? C'est un Logitech qui doit faire 20 par 30. C'est petit celui-là. Ça, il est rigide. Ouais, tu sais, c'est le revêtement rigide en plus. Ok, bon... Pourquoi pas, mais bon, ça sert à rien de réinventer la roue, quoi. Tu pars avec un sacré handicap. Casque, du coup, t'as quoi, du coup, c'est quoi? C'est le G335. Ouais, Logitech, du coup. Et connexion en ping, t'as quoi? Connexion en ping, je suis à 172, là. Ça fait beaucoup, là, non? Mais en général, ça tourne autour des 30-50. Et t'es connecté en filaire? Non, en Wi-Fi. Je savais pas si ça changeait grand chose. Oh, ou pas. Ça change énormément. Jamais tu veux te mettre de. Jamais tu veux. Le Wi-Fi, non. Sensibilité horizontale, verticale sur Rainbow Six maintenant. Apprendre avec des pincettes, tout ce que je vais te dire. Tu vas me donner des sensibilités verticales et horizontales qui sont très grandes. Non pas parce que t'as l'habitude de, mais parce que t'as un petit tapis de souris. Et donc du coup, t'as plus ouais, aussi, ça joue, ouais. Bah oui. Forcément. Les recommandations que je te donne sont toujours établies dans l'idée que demain, tu vas avoir le setup qui est considéré comme le minimum syndical. Donc, sensibilité horizontale, verticale, qu'as-tu? 10-10. Ok, propre. Impeccable. T'as pas changé le converteur, rien. Ça te parle pas? Bah, c'est parfait. 10-10 quoi, du coup, en sensibilité ADS? Alors, j'avais pris les mêmes que t'avais fait les setups, c'est 25, okay, 45, 42, 43. Oui, c'est bon. 43, 43, très bien, 43, ok, 44. Donc t'as tout pris sur moi. Quoi. Okay. Ouais. Impeccable. Après, tout dépend de ton DPI, du coup, t'as combien? Je suis à 800. Ok, donc là, on a un problème en revanche. 10-10, 800, c'est deux fois trop, quoi. En FOV, t'as combien? Je suis à 90. Et en ratio? 4 tiers. Mais c'est un écran... Combien de pouces? 15. Bah, on va partir en IA ensemble. Et c'est madame qui a pris le coaching? Non, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a fait ça pour mon anniversaire. Ah, c'est parce que j'y ai marqué cadeau, machin. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'était pas dans une logique de compétition. Il savait que j'aimais bien tes vidéos, que je regardais et tout. Et une fois, il m'avait posé la question. Je lui ai dit, bah carrément, mais j'avais pas tilté qu'il allait faire ça. Du coup, au début, j'avais bien la pression, mais en vrai, c'est cool.
Ok. Et du coup, c'est quoi ton objectif ? Eh ben, c'est... Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, je pense que je dois faire énormément d'erreurs dans le jeu. Et j'aurais bien aimé comprendre vraiment comment bien jouer pour éviter des fois de te faire tuer bêtement, tu vois. Ok. Mais ça, du coup, ça, c'est l'objectif de s'améliorer, ok. Mais est-ce que t'as un vrai objectif dans le jeu ? Ou alors est-ce que tu y joues juste de façon occasionnelle, de temps en temps, une heure par mois, quoi ? Non, non, j'y joue quelques fois la semaine quand même, mais après, je suis pas là dans un objectif de fou, tu vois. C'est juste, j'aime bien ce jeu, j'aime bien comment il est fait. Ah, but du jeu, c'est t'es en 1v5, il faut que tu fasses le clutch. Ok. T'as coupé la spatialisation audio sur ton casque ? T'es pas en 7 points ? Non, 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 j'avais déjà vu, enfin j'avais entendu que tu parlais de ça, non, je suis pas en 7 points. Wow. Ça va que c'est un IA là pour tout. Ok. Bon, trop de sensibilité déjà, ça c'est sûr. Ça se voit tout de suite, tu vois, et en particulier... J'ai essayé de passer en 600 là, je vais essayer de voir ce que ça donne. Oh ouais, tu peux passer en 600, mais une fois de plus, hein, on pourra pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Hein. La problématique vient du fait que tu aies un tapis de souris qui est trop petit. Je regarde. Hein. Ouais, pas de soucis. C'était quel grade les différentes saisons ? La toute première fois où j'ai commencé, j'ai fait 11. Après, j'ai fait. En fait, j'ai évolué un peu chaque grade, chaque saison. Mais enfin, avec la, le nouveau système de ranked, en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas trop. On peut pas trop diminuer en grade, en fait, parce que. Gagne plus que ce que tu perds, du coup forcément tu... Forcément tu augmentes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Cap coin à la porte s'il fait pas le kill. T'as commencé quand du coup le jeu ? Sur PC en octobre. Et avant. De cette année ? Non, de l'année dernière. Donc un an et des broutilles sur PC. Ouais, c'est ça. Et avant sur Play. Ouais, c'est ça. Depuis. Je sais plus exactement, sans mentir, quelle saison c'était, c'était avant Thorn et tout ça. Ouais, je sais plus. Hein. Ouais, mais non, je moi non plus. Mais Thorn, c'est pas trop vieux pour le coup. Non, non, j'ai pas commencé dès les débuts non plus. Je connaissais pas, mais justement, c'est mon collègue qui m'a offert le coaching, en fait, qui m'a fait connaître le jeu. Ok.
je les vois. Que veux-tu que je te dise ? Réellement, c'est pas une phrase rhétorique. Que souhaites-tu que je te dise ? La première chose qu'il faut toujours faire quand on est en attaque sur Rainbow Six, c'est de respecter ses drones. Ok ? On n'arrive pas sur une porte et on la casse. Non, on drone avant pour savoir ce qu'il y a derrière la porte. On évite de perdre ses drones. On casse la porte. Et on joue chaque problématique en respectant chaque problématique l'une après l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est hyper simple au final, Rainbow Six. Et pour essayer de jouer chaque problématique les unes après les autres, on va s'insérer à des endroits qui sont des extérieurs au final. Des endroits qui sont relativement simples. J'ai bien aimé le fait que tu t'insères au niveau de la fenêtre de la gym. Tu vas pas comme un débile venir au niveau de la fenêtre serveur. Donc d'un point de vue stratégique, c'est bon au final. Mais pourquoi c'est une bonne insertion ? Parce que derrière toi, au moment où tu t'insères par la fenêtre du serveur, il ne peut pas y avoir de danger. À ta gauche, il ne peut pas y avoir de danger. Et comme Rainbow Six, c'est des cases, eh bien déjà, tu viens d'avoir 50% des cases sur lesquelles il peut... 50% de cette case, d'où il ne viendra pas de danger au final. Ok ? Si tu t'étais inséré au niveau de la fenêtre qui était juste à droite, ce ne serait pas bien. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver de gauche, d'en face. Exactement. Et de droite. Entre ces deux fenêtres-là, là, il y a toute la stratégie de Rainbow Six. D'accord ? Ça, déjà, c'est les bases de Rainbow Six, c'est de les comprendre. Je suis sûr et certain de ce que je viens de voir en quelques secondes, que tu peux être un très bon joueur de Rainbow Six parce que t'aimes le jeu. Ça se voit, tu respectes les trucs. Il y a des trucs que tu respectes. Mais t'es limité par le matos que t'as. Clairement. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand t'arrives sur une porte et que tu me dis « Ouais, je comprends pas ma stratégie et tout », tu peux pas te faire péter par un capcan. Je l'ai vu 3-4 fois et après, tu vois, tunnel vision et je l'ai oublié. Tunnel vision, mais pourquoi est-ce que tu crées le tunnel vision ? En fait, le problème, il n'est pas le tunnel vision. T'es intelligent, tu sais ce que c'est le tunnel vision. Mais au final, le problème du tunnel vision, c'est pas le tunnel vision. Le problème, c'est d'avoir créé la situation qui te met dans un tunnel. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis à l'extérieur et que j'ai le temps de droner et de prendre des informations, information sur Rainbow Six, c'est la clé. Et là, donc du coup, quand t'es en 1v5, le truc très simple, premièrement, où sont-ils sur la map ? Où est l'objectif ? Deuxièmement, quel va être mon chemin ? C'est simple, hein ? Le chemin, c'est forcément... il part forcément du spawn et il arrive forcément à 10 secondes de la fin sur l'objectif. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est l'histoire, ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On sait à peu près par où on va passer, ok ? Et on essaie de faire en sorte... Bah de droner et de prendre, et comment dire, de scanner les zones pour traiter les problèmes comme un oignon, ok ? On épluche à droite, on épluche à gauche, on épluche à droite et on épluche à gauche. Et ça, à chaque fois que j'épluche, là, ça, c'est un point de défense, ok ? Un fil barbelé, un capcan, un mute. Oui, 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 il y a une ligne sur le mec qui est au niveau des rouges. Oui, oui, on a envie de lui mettre une tête et tout ce mec, mais c'est Rainbow fucking Six, ok ? C'est pas Call of Duty. Le but du jeu, c'est aussi avant d'imaginer le fait que ces fils barbelés, ces trucs, ces machins, etc., dans quelques secondes, vont me donner un gros désavantage si je dois pusher. Donc d'abord, on traite les points de défense et après, on jouera le mec comme on a envie de le jouer, voilà quoi. We'll be right back.